Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire l'entretien d'une orchidée qui n'est pas facile toujours à garder chez soi. Donc mon orchidée la voici, hein, elle est bleue et blanche. Pourquoi bleue? Parce qu'une orchidée ça n'existe pas en bleu. Donc il suffit d'injecter dans les tiges au moment de la pousse du colorant alimentaire, par exemple à l'aide d'une seringue et d'une aiguille. Au niveau de l'entretien, il suffit que les plantes, ici les racines doivent bien être vertes, hein, entre vert et légèrement blanc. Surtout pas toutes blanches, ça veut dire un manque d'eau. Et si elles sont marron, ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Au niveau de l'entretien, il ne faut surtout pas mettre d'eau au centre des feuilles, sinon ça la fait pourrir. Et au niveau de l'arrosage, uniquement de l'eau en bouteille que vous injectez au niveau du pot. Donc il faut que le pot bien sûr a des trous pour que vous voyez l'eau s'évacuer rapidement, et vous arrosez abondamment l'orchidée comme ceci. Une fois que l'orchidée a rejeté tout l'eau, vous la laissez égoutter et vous pouvez la remettre dans un récipient. Moi j'ai pris un petit récipient comme ceci, hein, pour dire de cacher les racines. Vous la mettez dans votre pot, à savoir que ça s'arrose une fois par semaine et pas plus. Au niveau de la température, entre 18 et 24 degrés. Et vous avez une très belle orchidée et vous pouvez la conserver tout le temps de la floraison et bien après.